Alors, je m'appelle M. Sylla Morlaï, connu sous le nom de Mazo. Je suis ancien sociétaire du City National, ancien capitaine du City. Bon, j'ai commencé à Kindia FC Ganga, l'AS Kaloum, puis à FC 105 du Gabon, et Locomotive aussi. Bon, j'ai joué en Europe aussi, à Tenerife, puis j'ai joué à Toulouse. Aujourd'hui, je suis le président de l'ESPRO, Association pour le soutien pour la promotion du sport guinéen à l'étranger, qui est composée des anciens sportifs guinéens. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire la promotion du sport guinéen à l'étranger et en même temps créer des centres de formation professionnelle en Guinée pour la réinsertion des jeunes guinéens, que le sport soit une deuxième chance pour eux. En même temps, développer le football féminin. Aujourd'hui, nous sommes en train de se battre pour créer un budget pour les anciens sportifs. Et en même temps, aussi, on se bat pour l'immigration des jeunes Guinéens à l'étranger. On ne dit pas que, franchement, ils ne peuvent pas venir, ils peuvent venir, mais on veut vraiment que ce soit bien organisé, bien structuré. Et qui, quand ils arrivent en Europe, pour qu'ils soient dans une structure bien déterminée, pour qu'on puisse les aider à les placer dans les clubs. En même temps, l'objectif de l'association, c'est pour lutter contre certaines maladies telles que le VIH, le SIDA, des choses comme ça. Bon, ben, aujourd'hui, chaque année, on essaie d'organiser des tournois entre nous ici à Paris pour qu'on puisse se retrouver et donner certains programmes à notre projet. Et en décembre aussi, on veut faire un match de gala en Guinée pour que ce soit un soutien pour le club guinéen. En même temps, l'argent récolté sera remis au gouvernement pour notre contribution pour l'habitation de courant et de l'eau en Guinée. Et aujourd'hui, on a des projets en Guinée, on veut créer des centres de formation. Aujourd'hui, on a même deux dossiers. Et vers le Sigring et comment on appelle ça à l'Abbé, et qu'on attend aussi, on a adressé un courrier au président de la République pour l'existence de notre association. En même temps, si on peut nous octroyer un terrain vers la base, enfin Conakry ou bien à Kindia, pour la création de cette école professionnelle des sports. Et on vient de signer encore un partenariat avec un groupe de Français qui s'appelle Événementiel, qui nous accompagne dans ce domaine-là. Et pour surtout la formation des cadres guinéens, des cadres sportifs guinéens dans ce domaine qui est dans notre programme, objectif de notre chose de l'association. Et je pense que si on a la réponse de notre pays, soi-disant seulement qu'ils nous soutiennent, notre action qui nous sommes en train de mêler, et je pense qu'on n'aura pas du mal à avoir la subvention auprès de nos partenaires ici, quoi. À propos de soutien des autorités, quelles sont vos relations justement avec l'administration guinéenne, la fédération? Je pense que la fédération, notre relation, c'est en bon terme, parce qu'à chaque fois, si on leur demande quelque chose, ils arrivent à nous satisfaire quand même. Seulement, on a déposé un courrier pour la formation des cadres guinéens, pour qu'on puisse faire un partenariat. Et parce que nous aussi, on envoie des gens pour faire le stage pour les Guinéens là-bas. Nous, on ne peut pas leur donner les attestations. C'est la fédération qui peut vraiment délivrer cette attestation. Et on a envoyé un courrier aussi au directeur technique national, le nouveau, qui est resté jusqu'ici. On n'a pas de nouvelles. Il n'a pas répondu. Et on attend toujours sa réponse. Et c'est dans ce Qui cadre c'est? aussi. Et Titi Camara. Et en même temps, on a envoyé un courrier au ministre de la Jeunesse et des Sports, qu'on attend toujours la réponse. On a relancé encore au ministre, si on pouvait vraiment avoir la réponse, ça nous fera plaisir le plus tôt possible, quoi. Et l'association siège à Paris? Bon, le siège, c'est à Paris ici. Normalement, bon, nous, on est un peu éparpillé partout, mais chaque année ou à chaque mois aussi, on se retrouve dans un pays pour faire une réunion, pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Il faut qu'on puisse se mettre à l'œuvre pour accomplir nos missions qu'on s'est fixées pour le pays, quoi. En 10 secondes, vous avez fait un deuxième tournoi cette année. Je crois que l'année dernière déjà, vous avez fait un premier tournoi. Oui. En deux mots, vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce tournoi. Il vous reste juste 10 secondes, monsieur Silla. D'abord, on remercie tous les internautes qui nous ont aidés, surtout Kibaru et comment on appelle ça, et
Guinée-Afro. En Guinée, en Guinée,